Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Arsenus TV. Je vais vous présenter un petit jeu indépendant, Evergate, que j'ai pu avoir sur le bundle. Ah, pardon, je vais déjà baisser un peu le son. Voilà, on va faire ça comme ça, ce sera très bien. Voilà, c'est le petit jeu que j'ai eu sur le bundle pour l'Ukraine sur Itch.io. Je continue un peu l'exploration de ça, et puis on va continuer au fur et à mesure. On va commencer... Alors ça, j'avais réussi à faire un petit peu pour montrer. Je vais vous montrer simplement l'intro. C'est très joli, hein, comme... Alors, maintenez pour sauter plus haut le bouton espace. Ok. Alors, hop, clavier américain. Gauche, droite. On regarde en haut, on regarde en bas. C'est joli comme tout, hein, regardez ça, les décors sont sympas. Hein. Ah, te voilà de retour dans l'au-delà, qui... Ces vieux os sont tout aussi fatigués que lorsque tu les as quittés il y a une vie de cela. Suis-moi jusqu'au grand portail de l'Evergate, je vais te renvoyer sur Terre. Viens vite, avant que cet étrange cyclone ne nous cause des ennuis. Ce doit être la mort. Hop. Hop là. Hop là. Pour te rendre à l'Evergate, tu vas avoir besoin d'un ancien pouvoir de l'au-delà. La flamme spirituelle. Laisse-moi enflammer la tienne à nouveau. Sens-tu cette énergie? Essaie maintenant de contrôler ta flamme spirituelle. Former un faisceau avec ta flamme spirituelle. Yeah! Rayon laser. Ok. Former un faisceau avec ta flamme spirituelle, viser largement. Ok. Attention. Yeah. Ok. Nous voici à l'entrée nord. Utilise la flamme spirituelle pour l'activer et ouvrir un portail vers l'Evergate. Active ces trois pierres de pouvoir. Vise chaque pierre et projette ta flamme spirituelle. Non. Ok. Donc dirigez votre flamme et clic droit et clic gauche. La flamme spirituelle ne brûle que lorsqu'elle est dirigée vers la surface blanche qu'on appelle la source. Essayez maintenant de viser la source. C'est un peu fort, non? J'ai l'impression. Attendez, je vais juste baisser un peu ça. Je rechangerai ça des... Non, le cyclone a attiré des cauchemars. Attendez, hop. Faut quand même... Voilà.
Ils ont éparpillé les cristaux de l'entrée. Tu vas devoir finir d'activer l'entrée par toi-même. Moi, je dois retourner protéger les champs des attaques de ces cauchemars. Utilise ta flamme spirituelle pour libérer le pouvoir de chaque cristal. Je suis sûr que tu arriveras à l'Evergate saine et sauve. Visez une surface blanche à travers un cristal. Libérer la puissance de cristal avec votre flamme spirituelle, ok. Que là, c'est facile. Ah ah. Evergate. Une âme. C'est rare ces derniers temps. Viens. Oh. Ah. Parler. Conseil fondateur. D'accord, ça c'est ceux qui ont fabriqué le jeu. Ok. Je ne veux pas oublier. Je ne peux pas aller de l'avant parce que je ne veux me souvenir d'eux. J'étais jeune quand je suis arrivé ici et j'y suis resté. L'au-delà est la seule vie que j'ai connue. Je croyais que s'il y avait bien une chose que je n'oublierai jamais, ce serait ses yeux magnifiques. Mais tant d'années plus tard, ici, dans cette bibliothèque, je me rends compte que ce dont je me souviens toujours, c'est ce bonheur que je ressentais quand elle me réveillait tendrement avec un café. Oh, c'est triste. Les intrigues de ce monde sont fascinantes, un domaine de magie, ou du moins c'est ce que je croyais. En vérité, qu'est-ce que la science sinon de la magie? Mes inventions ne sont qu'une extension de la connaissance que j'acquiers. J'étais pauvre, mais ça ne l'a jamais dérangé. Nous avons pu vieillir ensemble, dans cette petite maison perdue dans notre vallée de Phrygie. La vie était dure, mais nous l'avons vécue à deux. Je ne désirais rien de plus. L'âme humaine est encore si jeune. Ils tendent leurs mains en quête de réponse, mais ne parviennent qu'à attraper des fragments disparates de leurs poings serrés. Il y a tant d'histoires et d'expériences ici que je me sens un peu dépassé. D'où viens-tu, toi? Que te rappelles-tu? Absolument rien. Whoop. Wouh. Punk. Oh. L'Evergate n'est pas loin. Approche. Il te renverra sur la terre. Il va se passer un truc. Je vais continuer d'explorer, hein, parce que... Voilà. Hop là. Les cicatrices profondes ne guérissent jamais vraiment. Les actes des hommes sont ainsi, moi inclus. Les règles sont différentes ici. Les règles de notre royaume sont démantelées. D'anciens dieux se reposent, endormis sur le lit où pousse le blétincelle. Dans les profondeurs de ces archives, je retrouverai ma vérité. Ah! Ah bah c'est bon. Conseil fondateur volume 2, très bien. Ce sentiment, je le connais. Il virevolte dans ma mémoire comme une plume et s'envole à tire d'aile dès que je l'approche.
J'ai dû le ressentir durant des centaines de vies. Si seulement je pouvais me rappeler toutes ces autres fois. Je me souviens de l'instant où j'ai vu la Terre de l'espace pour la première fois. C'était incroyable. Je ne pourrai jamais oublier cette scène. La raison d'être, une expression si subjective, alourdie par un poids si écrasant. Et ça c'est... Je peux interagir, ok. Un livre de souvenirs? Impossible! Les Verguettes n'offrent jamais de souvenirs aux âmes. Et ben là, si, dis donc. Le jardin secret, 1715 Chine, ok. On va voir, on va essayer d'autres choses avant, hein. Chapitre verrouillé, 20 essences nécessaires pour le débloquer. D'accord. Oh, pardon, il y a un autre truc là. Non? Ah non, il n'y a rien. Ok. Bon bah c'est parti, hein. Atteignez le portail. Ok. Utilisez l'écriture pour faire le post-bit, mettez bien pour réinitialiser. Ok. Alors, j'essaye un tout petit truc. Voilà. Juste pour que ce soit moins fort, parce que sinon après, c'est assourdissant. D'accord. Hop là, je l'ai chopé celui-là. Est-ce que j'ai un autre truc à choper? Ah bah oui. Hop là. Et voilà, facile. Obtenez toutes les pétales, cassez tous les cristaux, atteignez le portail rapidement. Le portail rapidement, on laisse tomber, hein. Les essences débloquent des artefacts équipés pour améliorer votre capacité. Essayez de tuer les essences pour le premier artefact. Ouais, bah, non, rapidement, tu laisses tomber. En 12 secondes. Rester sur ça pour le moment. Hop. J'ai pas tout cassé. Ah merde. On réinitialise, c'est pas grave. J'avais pas vu ça. Hop là. Merde, je suis baisé là, non? J'ai l'impression aussi. Ouais, non, là, je me suis fait bloquer, c'est pas grave. Hop et...
Hop. Voilà. Alors que ce soit bien d'accord, on laisse tomber les 14, enfin le temps. Ça ne marchera pas. Ah non. Ah. Appelez, facile. Hop, je pense que je me suis fait avoir. Ouais, ça va pas du tout. Hop, ça c'est bon. Donc... Eh merde! Eh merde! Eh merde! Eh merde! Eh merde! Oh, ça va être compliqué. Hop, et juste à temps. Ça, c'est facile. Ah si. Hop. Ah non! D'accord, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Mes excuses, hein, je suis vraiment mauvais. Bon, en même temps, je suis pas un gamer, donc ça va, c'est pas trop gênant. Appelez. Je sais pas si ça marche, non. Ça, c'est bon. Bon, j'ai pas cassé tous les cristaux, ça m'emmerde un peu, ça. Faudrait que je trouve le moyen de casser ce cristal, en fait. Ouais. Ah, attendez. Voilà. Facile. Alors, qu'est-ce combien de temps qu'on en a là? Ok. Ok. Ah. Appelez. Appelez. Ouais, c'est pas ça du tout ce que je devais faire, mais c'est pas grave. Facile.
Ça, je peux le faire en étant là-haut, donc ça, pas de problème. Ça, c'est pour ça, mais faut que j'arrive. Hop. Voilà. Oh, pas facile celui-là, hein. Alors. Tac, tac, tac. Alors ça, c'est pour arriver au truc. Non, toujours pas. Non, ça va pas. Ça, c'est bon, on avait dit. Toc. Ouais, ça c'est facile. Ça, une fois que j'ai trimballé. Ça, je vois pas à quoi il me sert, hein, donc franchement. Alors, ça, de l'emmener là-bas, ok. Ok. Voilà. Alors... Ok. Alors, grenouille porte-bonheur, augmente la puissance du boost de 20%. C'est bon ça? Réduit la vitesse de chute de 65%. Ah, d'accord. Ok. Merde, j'ai loupé mon coup là. Ah! Ça, c'est bon, ça. Et merde. Bon, c'est pas grave.
Non. Je pense. Hop. Ah, d'accord, ok. Ça y est, j'ai compris. Ah non! Ou alors je me plante? Non, c'est pas ça. Ah, merde, 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 merde. Ah, le con. Ah, puis là, je suis baisé. Bon, c'est pas grave. Attends, si ça trouve. Ouais. Ah, mais oui, j'ai cassé le truc là. Bah non. Ah merde, je suis allé trop vite. Voilà. Easy. Ça c'est pour libérer la place, pour que je puisse y arriver. Voilà, ça j'ai tout cassé. On fait pareil avec celui-là. Ah, bah pas ici, pas ici. Ah non. Ah ah, voilà la technique. Ah merde, 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 je suis dégoûté. Bon, j'ai la technique, c'est bon. Voilà. Facile. Et ben voilà, premier souvenir fait. Te revoilà, je commence à me dire que tu ne reviendrais pas. Tu n'aurais pas dû y aller sans ma permission. Il s'agit de... plein de choses. Encore des souvenirs. L'Evergate ne semble pas souhaiter te réincarner pour le moment. Mais ces souvenirs, ce ne sont pas les tiens. Pourtant, tu peux y pénétrer. Bizarre. À qui appartiennent ces souvenirs? Eh ben, c'est pas mal du tout, hein. Bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Je pense que je n'ai pas suffisamment. Encore cette essence.
Voilà, le jeu a l'air d'être immense, hein, pour le coup. Et voilà, c'est beau. C'est très beau, c'est sympa, c'est un jeu de puzzle. Si vous pouvez l'avoir, bah écoutez, prenez-le, parce que franchement, c'est sympa. J'aime bien le principe, c'est très joli. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous qui piquent et je vous dis à bientôt sur Arsenius TV. Salut, salut!